like to say this before the start that we are going to have a little break with our first lesson, which was the safety zone. Yeah, and we because it's Easter, we're gonna speak about Easter just for this Sunday, and then the coming Sunday we're gonna go back to our sermon, which was the safety zone. Amen. So today we're gonna speak about Easter, and I will say Happy Easter to everyone. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Amen. So Happy Easter to everyone. So today is the remembrance of the resurrection of Jesus Christ. So the coming of Christ was the hope for all humanity. People was waiting, all the churches, religions, all the humanity, I mean, was waiting for the coming of that Messiah. Mm-hmm. So his coming was the salvation, the redemption for all the humanity. Amen. Mm-hmm. That the reason why we celebrate Easter, we don't celebrate Easter as like unbelievers, we celebrate Easter as the believers, especially those one believes Barabbas' message. Amen. Amen. God bless you. Let us sing and then we open with a word of prayer. We bless your name. We bless his name for the Easter, for the Passover. Thank you.
thankful and grateful to Jesus for bringing us to this place again. Father, when the humanity is celebrating Easter, some of them, they are thinking about eggs, chicken, and chocolate, Father. But us, as believers, we see your resurrection. We see your burial. We see your death, Father. Because through that death, the life came unto us. That the reason of our celebration. Father, when we are gathering, we ask, Lord, your assistance, Father. May you come, Lord, may you have your mighty way and speak to our heart, Father. Give us, Lord, the true meaning of this Easter, as it was called in the Bible, the Passover. Glory be to your wonderful name, Lord, in your wonderful and mighty name, Jesus Christ. Thank you.
As I said, today we're gonna talk about Easter. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons parler sur la Pâque. As you all know that Easter is about the resurrection of Christ. Nous savons tous que la Pâque c'est parle de la résurrection de Christ. Amen. Amen. Because it was told in the message, in the Bible. Parce que il a été dit dans la Bible. That the head of the serpent will be bruised by the seed of the woman. La tête du serpent sera écrasée par la semence de la femme. Amen. Amen. So that seed of woman of the woman was the hope of all humanity. Cette semence de la femme était l'espoir de l'humanité. Amen. Amen. Because the fall came in the Garden of Eden. Parce que la chute vient du jardin d'Eden. And after that fall, God has promised that the seed of the woman shall bruise the head of the serpent. Mais après cette chute, Dieu a promis que la semence de la femme va écraser la tête du serpent. Amen. Amen. So that the reason why we're gonna have a little break for our sermon we started. C'est la raison pour laquelle nous allons avoir une petite pause avec le sermon que nous avons eu. Que nous avions commencé. And we're gonna talk about Easter. Et nous allons parler de la Pâque. But I'm gonna take it in other way. Je vais le prendre d'une autre façon. Amen. Amen. Today I'm gonna talk about the proof of the resurrected Jesus. Aujourd'hui, je vais parler de la preuve de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. So we're gonna talk about the resurrected Jesus. Nous allons parler de Jésus ressuscité. Because it's what is important. Parce que c'est ce qui est important. Amen. Before to start, let us read first in the book of Hebrews chapter 13, verse 8. Avant de commencer, lisons dans le livre de Hébreux 13, 8. The Bible says. La Bible dit. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Glory be to your wonderful name, Lord Jesus. We praise your mighty, wonderful name, Lord. Thanks again, Lord, for this wonderful time. Thank you for the reading of your words. Give us, Lord, the meaning and the understanding of it, Lord, as we pray in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Hebrews chapter 13, verse 8. Hébreux chapitre 13 verset 8. Barabbas said that this verse was the key stone of his ministry. Frère Barnabas a dit que ce verset était la clé de voûte de son ministère. Amen. Amen. It was the keystone of his ministry. C'était la clé de voûte de son ministère. If you don't understand the message of Barabbas, si tu veux comprendre le message de Frère Barnabas, you must first understand Hebrews 13:8. Tu dois d'abord comprendre Hébreux 13:8. Because Hebrews chapter 13 verse 8 tells about the resurrected Jesus. Parce que Hébreux chapitre 13 verset 8 parle de la résurrection. The resurrected Jesus. De Jésus ressuscité. Amen. Amen. It was told in the Bible. Ça a été dit dans la Bible. In the book of Exodus. Dans les livres d'Exode. I'm not going to read everything because it's going to take me a long time. Je ne vais pas tout lire sinon ça va me prendre beaucoup de temps. I've got so many things to talk about. Parce que j'ai beaucoup de choses à parler. It started in the land of Egypt. Ça a commencé dans le pays d'Égypte. When the children of Israel was in slavery. Quand les enfants d'Israël étaient en esclavage, Jésus. Amen. Amen. So when the plagues came in the land of Egypt,
quand les plaies sont venues dans le pays d'Égypte. And the last plague was the death of the firstborn. Et la dernière plaie était la mort des premiers-nés. In the land of Egypt. Dans le pays d'Égypte. And it was told to Moses. Et il a été dit à Moïse. To kill a lamb. De tuer un agneau. First of all, to keep it for 14 days. Premièrement, de les garder pour 14 jours. It must be a male lamb. Et cela devait être un agneau mâle. Without blemish. Sans ride. Sans défaut. Sans défaut. Amen. Without blemish. Sans défaut. So it must be a perfect lamb. Et cela devait être un agneau parfait. He said, when the angel of death will come in the land of Egypt. Quand l'ange de la mort viendra dans le pays d'Égypte. He's gonna go pass over you. Et il va passer au-dessus de vous. Par-dessus vous. That's the reason why. C'est la raison we don't call it Easter. Nous n'appelons pas ça Pâques. Pâques. In French it's Pâques. Pâques. But Passover in French it's written with S to the end. You understand? We don't call it Easter. Just repeat what I said. Non, on n'appelle pas ça Pâques. Easter. Easter. We call it Passover. Nous appelons cela Passover. Passover. Amen. In English it's Passover. En anglais, c'est Passover. Which was telling that the angel of death when he comes, he passed over. Et cela parlait de l'ange de la mort quand il viendra, il va passer par là. So that means that something there is a substitute died in your stead. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui est mort pour vous. À votre place. You understand? So the angel of death does not have to strike again because there was death in the house already. Et l'ange de la mort ne devrait plus frapper parce qu'il y avait déjà la mort dans votre maison. Amen. Amen. So that means that the death of that lamb gives you the forgiveness of your sin. Cela signifie que la mort de cet agneau vous a donné le pardon sur vos péchés. Amen. And the blood of the lamb must be applied on the doors. Et le sang de l'agneau doit être appliqué dans les portes des lintons. And now this one also is telling us about the safety zone as well. Et cela aussi nous parle de la zone de sécurité. Because the Passover is our safety zone. Parce que le Passover c'est notre zone la Pâque c'est notre zone de sécurité. Because there was a dead lamb parce in the house. Parce qu'il y avait un agneau mort dans la maison. And his blood was applied on the doors. Et son sang a été appliqué sur les lintons. To give us the forgiveness of our sins. Pour nous donner le pardon sur nos péchés. That's what we call the Passover. C'est ce que nous appelons la Pâque. So we don't understand the Passover as the people on the street understand it. Nous ne comprenons pas la Pâque comme les gens dans les rues. Amen. Amen. The Passover, la Pâque, is the death of something. C'est la mort de quelque chose. So everyone understand Passover in his way, Easter in his way. Chacun comprend la Pâque à sa manière. Every church understand Passover in their way. Chaque église comprend la Pâque à leur manière. But for us, the Passover tells us about the ending of sin. Mais pour nous, la Pâque nous parle de la fin du péché. Amen. Amen. For us, the Passover tells us about the ending of death. Pour nous, la Pâque nous parle de la fin de la mort. For us, the Passover tells us about the establishment of the fellowship between God and His people. Pour nous, la Pâque nous parle du rétablissement de la communion entre Dieu et nous. And His people. Et son peuple. Amen. Amen. So we are the proof of His resurrection. Nous sommes la preuve de sa résurrection. You understand? Comprenez. That's what is Passover is for us. C'est ce que la Pâque est pour nous.
Because if we understand the Passover as intellectuals, parce que si nous comprenons la Pâque comme des intellectuels, it's not going to do any good to us. Cela ne va pas nous faire du bien. Amen. Amen. Barabam said, Frère Branham dit, the same question settled when the Holy Spirit comes into the human heart. La question du péché a été établie quand a été terminé quand le Saint-Esprit est venu dans le cœur humain. You understand? Because the Holy Ghost is what is the life of Christ. Parce que le Saint-Esprit c'est la vie de Christ. Which comes in the believers. Qui vient dans le croyant. Him as a Passover lamb was killed. Lui comme l'agneau. L'agneau pascal. L'agneau pascal qui a été tué. You understand? Amen. Vous comprenez? His life now comes to the believers. Sa vie vient dans le croyant. Zoe life. La vie Zoé. Comes in the believers. Vient dans le croyant. Makes them perfect. Et les rend parfaits. And Brother Branham said it cuts down reasonings. Et Frère Branham dit cela chasse les raisonnements. Amen. Amen. That's the message called the infallible proof of the resurrection. C'est le message appelé la résurrection. La preuve de la preuve infaillible de sa résurrection. Amen. But the Bible said that it goes above our intellectual affair. Cela va au-dessus au-delà de l'intellectuel, de l'intellectualisme. Voilà. Now, today the reason so many ups and downs and things are enter the religious people. Et maintenant aujourd'hui la raison des hauts et des bas et des choses qui entrent dans les peuples religieux. Yeah. It's because there's an intellectual conception of Christ. Et parce qu'il y a la conception intellectuelle de Christ. Do you understand? So people understand Christ with their brain. Les gens comprennent Dieu avec leur cerveau. The things of God is not about reasoning. Les choses de Dieu ne sont pas à propos des raisonnements. No, you don't reason out with the things of God. Vous ne raisonnez pas avec les choses de Dieu. But you have to believe it. Tu dois croire. You don't believe with your brain. Tu ne crois pas avec ton cerveau. You believe with your heart. Tu crois avec ton cœur. Christ in your heart. Christ dans ton cœur. That's the main purpose of this wonderful Ça, message. Ça c'est la chose principale de ce message. Amen. But Abraham said, I'm not here to start a denomination. Je ne suis pas ici pour commencer une dénomination. I'm not here to pull people to come to join my church. Je ne suis pas ici pour attirer les gens à venir rejoindre mon église. Amen. Amen. I'm not here to make people to join my assembly. Je ne suis pas ici pour appeler les gens à rejoindre mon assemblée. You understand? He said, I'm here just to establish the relationship between God and man. Je suis ici seulement pour établir la relation entre Dieu et l'homme. So the people will become the new creatures in Christ. Et les gens vont devenir une nouvelle création en Christ. Une nouvelle créature. Créature en Christ. Amen. That's the reason why the Bible says. C'est la raison pour laquelle la Bible dit. There's no condemnation. Il n'y a pas de condamnation. For those who are in Christ. Pour ceux qui sont en Christ. Not in the church. Pas dans l'église. In Christ. En Christ. Being in Christ means. Être en Christ signifie. Christ living in you. Christ vivant en vous. Amen. Amen. As your Passover lamb. Comme ton agneau pascal. Living in your soul. Vivant dans ton âme. Amen. Amen. When the Bible speaks about the heart means the soul. Quand la Bible parle du cœur, le cœur c'est l'âme. Do you understand? Comprenez. Branham says, Frère Branham dit, they just mentally believe it. Ils croient ça mentalement. Amen. And your mentor will reason. Et ton mental va raisonner. Could it be so? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Could divine healing be so? Est-ce que
Est-ce que la guérison divine est vraiment réelle? Réelle. Amen. Amen. Could the baptism of the Holy Spirit be so? Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est réel? Now, that's intellectual reasoning. Ça, c'est le raisonnement intellectuel. You understand? You start reasoning with the things of God. Vous commencez à raisonner avec les choses de Dieu. Because most of the people, they've got only the intellectual understanding of Jesus Christ. Beaucoup de gens ont seulement la conception intellectuelle de Christ. You understand? So they don't understand Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Ils ne comprennent pas Jésus Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. But the madam said that the Jesus of yesterday can't do anything for you. Le Jésus d'hier ne peut rien faire pour vous. He must be the same one yesterday, today, and forever. Il doit être le même hier, aujourd'hui, éternellement. That the reason why I said that God is not the I was. C'est pour cela que j'ai dit Dieu n'est pas j'étais. God is not I will be. Dieu n'est pas je serai. God is the I am. Dieu est le je suis. God is always in present tense. Dieu est toujours au temps présent. Amen. Because we are living in time. Parce que nous vivons dans le temps. So people are passing. Les gens passent. But Mais, God is just changing the forms. Dieu change seulement les formes. It's like God is here. C'est comme Dieu est ici. God is the present tense. Dieu est le temps présent. Columba will come. Columba va venir. And when he reach here, quand il va atteindre ça, he's gonna manifest God. Il va manifester Dieu. Columba will pass. Columba va passer. God will stay there. Dieu va demeurer là. Wesley will come. Wesley va venir. He's going to manifest Christ. Il va manifester Christ. He will pass. Il va passer. Brother Branham will come. Brother Branham, frère Branham va venir. He manifested Christ. Il va manifester Christ. He passed. Et il va passer. And we came as the bride. Et nous venons en tant que we Christ. Are manifesting now Christ. Nous manifestons Christ. We will pass. Et nous allons passer. And someone else will come. Et quelqu'un d'autre va venir. And this one et ceci means Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jésus Christ le même hier, aujourd'hui, et but Abraham said, no, the Bible says, la Bible dit, the earth and heaven will pass away. Le ciel et la terre passera. But the word of God will never pass away. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Because God is always in present tense. Parce que Dieu est toujours au temps présent. That the reason why c'est la raison pour laquelle he is the immortal God. Il est le Dieu immortel. Intellectual understanding. Le raisonnement intellectuel. They think that God is only Jesus of Nazareth. Ils pensent que Dieu est seulement le Jésus de Nazareth. Amen. Jesus of Nazareth came. Jésus de Nazareth est venu. When he reached this place, quand il a atteint cet endroit, he manifested Christ. Il a manifesté Christ. And he passed. Et il est passé. And the seven messengers came. Et les sept messagers sont venus. But God remained in the same place. Mais Dieu reste dans la même place. But he's revealing himself in your age. Mais il se révèle lui-même dans ton âge. So that means that if you start looking behind, cela signifie quand vous regardez derrière. Amen. So you are serving God in the past. Tu sers Dieu dans le passé. But Abraham said, frère Branham dit, that human being, l'être humain, they know what God did in the past. Et ils savent ce que Dieu a fait dans le passé. And they are glorifying God for what he's going to do in the future. Et ils glorifient Dieu pour ce qu'il va faire dans le futur. But they fail to see what God is doing today. Mais ils manquent de voir ce que Dieu Amen. Fait maintenant. Aujourd'hui. The only one can see what God is doing today is the children of God. Les seuls qui peuvent voir ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est les seuls les enfants de Dieu. Amen. If you're not a child of God, si tu n'es pas un enfant de Dieu, you remain in the God of yesterday. Tu vas demeurer dans les dieux d'hier. You remain in the Jesus of yesterday. Tu vas demeurer dans les Jésus d'hier. Are you with me? But we need Jesus today. Mais nous voulons Jésus aujourd'hui. That's the reason why we cast out all the reasonings. C'est la raison pour laquelle nous chassons tous les raisons. We need Jesus in the present tense. Nous voulons Jésus dans le temps présent. Amen. Amen. Because Jesus in the present tense is what is going to give life. Parce que Jésus dans le temps présent c'est ce qui va donner la vie. In time of Moses, dans le temps de Moïse, the Passover was la Pâque était take the lamb, prendre l'agneau, kill it, le tuer, not only kill the lamb, pas seulement tuer l'agneau, but take the blood, prendre le sang, apply on the doors, et l'appliquer sur les linteaux. And also, et aussi, you need to eat the lamb, et vous devez manger l'agneau, and everything you're eating you become it. Et tout ce que vous mangez, vous le devenez. Amen. Amen.
Branham said. Frère Branham dit. And your heart doesn't reason. Ton cœur ne raisonne pas. D'accord. Vous comprenez? Five senses in the body. Les cinq sens dans le corps. Touch. Le toucher. Smell. L'odorat. Amen. Mm-hmm. Taste. Le goût. Sight. La vue. And hearing. Louis. Five. Cinq. And we have five also in the spirit. Et nous avons aussi cinq sens dans le which is qui est memory, la mémoire, feelings, les sentiments, reasoning, les raisonnements, and affection, l'affection, so forth. Et ainsi de suite. Do you understand? Vous comprenez? Those one can reason. Ceux-là peuvent raisonner. But in the soul, mais dans l'âme, there's no reasoning. Il n'y a pas de raisonnement. Now the reason why Brother Branham said, c'est la raison pour laquelle you must bring God inside of the inside. Vous devez amener Dieu dans l'intérieur. De l'intérieur. And then you don't reason with it. Et vous n'allez pas raisonner. So you become like Noah. Vous allez devenir comme Noah. When God told him that it's going to rain, qu'il va pleuvoir, start building the ark. Commence à construire l'arche. He said, amen. Il a dit amen. I'm gonna build it. Et je vais la. Noah didn't ask how come the water will come from above. Noé n'a pas demandé comment l'eau allait descendre. Because he trusted God so parce much. Parce qu'il croyait en Dieu. And he knew that God only can tell you something and that thing will never fail. Et il savait que seul Dieu peut te dire quelque chose et cela ne faillira jamais. Do you understand? Vous comprenez? So, I don't mind my reasoning. Et je m'en fous de mon raisonnement. I believe God in with His word. Je crois en Dieu avec sa parole. Amen. When the word says something, I believe it. Quand la parole dit quelque chose, je le crois. In that time, you become like Moses. Et en ce moment-là, vous devenez comme Moïse. Moses, even Moses, starts reasoning with God. Même si Moïse commence même Moïse commençait à raisonner avec Dieu. Said I'm not I can't even speak properly. Je ne peux pas parler, je ne peux pas bien parler. Why do you send me to Egypt? Pourquoi vous m'envoyez en Égypte? And God had to tell him. Et Dieu devait lui dire. Who created the tongue? Qui a créé la langue? He said you. Il a dit vous. He said I will be with your tongue. Il a dit je so, serai avec. So Moses langue. Could have known that God is the creator. Moïse devait savoir que Dieu était le créateur. No, when God chooses you, quand Dieu te choisit, he doesn't care about your education. Il s'en fout de ton éducation. God himself is going to educate you. Lui-même, il va t'éduquer. God even God likes those who are not educated. Et même Dieu aime ceux qui ne sont pas éduqués. Amen. Brother Branham was uneducated. Frère Branham n'était pas éduqué. You understand? Amen. And Paul went to study. Paul a été a étudié. But when he met God, quand il a rencontré Dieu, so he cast out all his education. Il a jeté toute son éducation. So you can't come to God with your education. Tu God doesn't need. Pas venir à Dieu avec ton éducation. Because God, Dieu n'a pas besoin. That one is gonna hinder the plan of God. Cela va empêcher les plans de Dieu. You understand? Vous comprenez? So. Don't reason with God. Ne raisonnez pas avec so Dieu. God had to convince Moses. Dieu devait convaincre Moïse. And Moses understood that God was right. Et Moïse a compris que Dieu était. God is always right. Dieu est toujours dans le. When he tells you something, quand il te dit quelque chose, just believe it. Croyez seulement. Amen. Amen. Everything works for good for the children of Israel. For the children of God, I mean. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. As long that the reason why I always say that you must make sure that you are in the safety zone. C'est la raison pour laquelle je dis toujours vous devez être sûr que vous êtes dans la zone de sécurité. When you are in the safety zone, quand vous êtes dans la zone de sécurité, whatever will happen to you, peu importe ce qui va vous arriver, you must know that God is behind it. Vous devez savoir que Dieu est derrière vous. And God is doing it for a purpose. Et Dieu le fait pour un but. And God does it for your good always. Dieu le fait pour votre bonheur. I don't care. I don't care what it is. Je m'en fous de ce que c'est. As long as is the will of God is perfect. Aussi longtemps que c'est la volonté de Dieu, amen. C'est parfait. Job was in the safety zone.
Job était dans la zone de sécurité. But Job lost his family. Mais Job a perdu sa famille. He lost his cattle. Il a perdu ses brebis. Ses bétail. And he has lost everything. Et il a perdu tout. But he was in the safety zone. Mais il était dans la zone de sécurité. Amen. Amen. He was a very good child of God. Il était un bon enfant de Dieu. He was a true son of God. Il était un véritable enfant de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Do you understand? Vous comprenez? But things happened to him. Mais les choses sont arrivées. But because of those things found Job in the safety zone. Mais parce que toutes ces choses ont trouvé Job dans la zone de sécurité. Listen what he said. Écoutez ce qu'il a dit. The Lord has given, the Lord has taken, blessed be the name of the Lord. Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit son nom. Amen. Amen. Because he was in the safety zone. Parce qu'il était dans la zone de sécurité. But the one gets outside of the safety zone. Mais c'est lui qui est en dehors de la zone de sécurité. He start cursing God from il those va things. Commencer à maudire Dieu. Everything works for good for those who are believe in God. Amen. Amen. So the main thing is to love God. La chose principale c'est d'aimer Dieu. Take that Passover lamb. Prenez cet agneau pascal. Eat the flesh of it. Mangez la chair. And become it. Et devenez. Is what is going to keep you in the safety zone. C'est ce qui va vous garder dans la zone de sécurité. Glory be to God. Amen. 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 Your heart doesn't reason. Ton cœur ne raisonne pas. Because it is the throne. Parce que c'est le trône. Amen. Amen. I like this one. So the reason why my heart doesn't reason. La raison pour laquelle mon cœur ne because raisonne pas. Because it is the throne of the living parce God. Parce que c'est le trône du Dieu vivant. Amen. Amen. God dwells in the heart. Dieu demeure dans le cœur. God dwells in the soul. Dieu habite dans l'âme. And the soul is your control tower. Et l'âme c'est le tour de contrôle, la tour de contrôle. And from your soul, de ton cœur, depuis votre âme, depuis votre God âme, wants to control all your movements. Dieu veut contrôler tous vos mouvements. And you become a prisoner in Christ. Et vous devenez le prisonnier en Christ. Amen. Amen. So when you are a prisoner, quand vous êtes un prisonnier, you don't have your own will. Vous n'avez pas votre propre volonté. Amen. Amen. The prisoner doesn't have a will. Un prisonnier n'a pas de volonté. The prisoner has got the will of the master. Le prisonnier a la volonté du maître. Amen. Amen. So a slave doesn't have a will. Un esclave n'a pas de volonté. The will of the slave is the will of his master. La volonté de l'esclave, c'est la volonté de son maître. The reason why in the USA you see people having the English names. La raison pour laquelle vous voyez en Amérique, les Noirs ont les gens des les noms des blancs. Those blacks, they came from Africa. Ces Noirs venaient d'Afrique. You see their names. Vous voyez leurs noms. Denzel Washington. Denzel Washington. Wesley Snipes. Wesley Snipes. Samuel Jackson. Samuel Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Lionel Richie. Lionel Richie. Those names. Tous ces noms. They took them from their masters. De leur maître. So if you are slave to God. Si vous êtes un esclave en Dieu. Because you have to do His will. Parce que vous devez faire sa volonté. God even gives you His name. Dieu vous donne son nom. Amen. Amen. But to be in slavery in God. Mais être un esclave en Jésus is the best Dieu, thing ever. C'est la meilleure des choses. Because God parce que will Dieu always work for your good. Va toujours travailler pour votre do you know why? Vous savez pourquoi? It's because there's no evil in God. Parce qu'il n'y a pas de mal en Dieu. Hallelujah. Amen. God is always good. Dieu est toujours bon. Amen. Amen. Even when he's chastising his children. Même quand il punit ses enfants. Châtie ses enfants. Il remain the same God. Il reste le même Dieu. Why? Pourquoi? Because he wants to live in your heart. Parce qu'il veut habiter dans ton the lamb of the Passover. L'agneau pascal. In your throne. Dans ton trône. In the throne of your heart. Dans le trône de ton cœur. Taking all the control of all your life.
prenant contrôle de votre vie. Amen. Amen. The dwelling place of the Almighty in the heart. La demeure du Dieu puissant. Du tout puissant. Dans votre cœur. Hey. Alléluia. Amen. No, I repeat it. Maybe you don't understand this. You know, when everyone is going to understand this one, vous savez quand tout le monde va comprendre, you become superman. Vous devenez un homme the superman. Superman. You become the super girls. Vous devenez des super filles. So, when you are getting down with the things of the world, quand vous descendez avec les choses du monde, no, you are taking out all your power. Vous enlevez votre puissance. Because your power remains in Christ. Parce que votre puissance demeure en Christ. Amen. So, now, if the Almighty maintenant, si le Tout-Puissant lives in your heart, vit dans votre cœur, in the throne of your heart, dans le trône de votre cœur, who are you? Qui êtes-vous? Le Tout-Puissant. You are Almighty. Vous êtes le Tout-Puissant. Amen. Because he lives, God chose your heart. Parce que Dieu a choisi votre cœur comme son trône. So that place, if you leave it only for him, cette place, si vous laissez cela seulement pour lui, you become the safety zone. Vous deviendrez des zones de sécurité. Amen. Amen. You be yourself first in safety zone. Vous allez être vous-même dans la zone de sécurité. And you be the safety zone for others as well. Et vous serez aussi la zone de sécurité pour les autres. That's the reason why. C'est la raison. I always asking brothers and sisters. J'ai toujours demandé aux frères et sœurs. Be the believers. Soyez des chrétiens. Because if you are a true believer. Parce que si vous êtes un vrai chrétien. So it's gonna be. I'm gonna get the benefit of it. Je vais avoir aussi le bénéfice de cela. Amen. So if you are blessed. Si vous êtes béni. I will be blessed. Je serai aussi béni. You understand? Vous comprenez? So that's the reason why don't make everybody your friend. C'est la raison pour laquelle ne faites pas de tout le monde vos amis. If you go and sit beside the cooker, si vous allez vous asseoir à côté de la cuisinière, you feel hot. Et vous allez avoir chaud. You say, oh, it's hot here. Vous allez dire, oh, il fait chaud. No, it's not hot here. Because you are sitting beside the cooker. Parce que vous êtes assis à côté de because la the atmosphere of the cooker. Parce que l'atmosphère de la cuisinière is affecting you. Va vous affecter. So you have to get yourself away from the cooker. Vous devez vous-même vous éloigner de la cuisinière. And you feel okay. Et vous serez bien. Amen. Amen. So don't be friend with everybody. Ne soyez pas ami avec tout le monde. Otherwise, it's going to be, because the main purpose of Satan. Parce que le but principal de Satan is to take away. C'est d'enlever. God in the front of your heart is open. Dieu dans votre cœur. It's open. God is to take away God from the front of your heart. C'est d'enlever Dieu dans le trône de votre cœur. You understand? Vous comprenez? And then, et après, you become weak. Et vous deviendrez faible. Amen. Amen. So I'll advise you guys. Je vais vous conseiller, les amis. Keep God in the front of your heart. Gardez Dieu dans le trône de votre cœur. Keep God in the front of your heart. Gardez Dieu dans le trône de votre cœur. Do you know why? Vous savez pourquoi? Because that is your power. Parce que cela est votre puissance. So, that power goes beyond all powers. Cette puissance va au-delà de toute puissance. As long as God remains in the throne of your heart, aussi longtemps que Dieu demeure dans le trône de votre cœur, that power is beyond all the powers. Cette puissance est au-delà de toute puissance. You understand? Oh my, this one can make me crazy. Cela peut me rendre fou. And your heart doesn't reason. Et votre cœur ne raisonne pas. Because it's the throne. Parce que c'est le trône. Amen. Amen. So most of the people in the churches, la plupart des gens dans les églises, they took God in their spirit. Ils prennent Dieu dans leurs esprits. They are baptized with the Holy Ghost, but in their spirit. Ils sont baptisés de l'esprit, mais dans leur esprit.
But Branham said, Frère Branham dit, you can be baptized with the Holy Ghost. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit and go to hell. Et aller en enfer. Why? Pourquoi? Because you didn't give the throne to God. Parce que vous n'avez pas donné votre trône à Dieu. Amen. Amen. Où est Victor? Because you didn't give your heart to God. Parce que vous n'avez pas donné votre cœur à Dieu. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Amen. Amen. Frère Branham says. Frère Branham dit. The dwelling place, your heart is the throne. Ton cœur c'est le trône. Which is the dwelling place of the Almighty. Qui est la demeure, le lieu d'habitation du Tout-Puissant. Amen. So when people are going far beyond the stars, quand les gens vont au-delà des étoiles, to look for God, pour chercher Dieu, but Abraham said God is in your heart. Frère Branham dit, Dieu est dans votre cœur. God lives in the heart of the believers. Dieu habite dans le cœur des croyants. The Almighty. Le Tout-Puissant. If he lives in your heart, s'il vit dans votre cœur, who are you? Qui êtes-vous? Almighty. Tout-Puissant. Amen. Amen. So, that's the reason why, guys, c'est la raison pour laquelle, don't be church members. Ne soyez pas des membres des églises. It's a waste of time. C'est du temps perdu. Yeah, you are wasting your time. Vous perdez votre temps. No. You need to be a prisoner to Christ. Vous devez être un prisonnier de Christ. Killing the lamb is good. Tuer l'agneau c'est bien. But you must eat that lamb. Mais vous devez manger cet agneau. When you eat it, quand vous le mangez, you become it. Vous le devenez. Amen. Amen. But Abraham said, Abraham dit, we see Easter not in a way of theology. Mm-hmm. Nous voyons pas, mais pas dans le, dans la manière de théologie. Dans la manière de théologie. The Easter is not about eggs. Mm-hmm. La Pâque, ce n'est pas à propos des œufs. The Easter is not about chicken. La Pâque, ce n'est pas à propos des. It's not about the rabbits. Poulet, ce n'est pas à propos des lapins. Amen. It's not about chocolate. Ce n'est pas à propos des chocolats. You know, the manipulation. Vous savez la manipulation. Those commercial firms. Ces firmes commerciales. They just using our Bible to make money. Ils utilisent la Bible pour se faire de l'argent. So they took Christmas. Ils ont pris la Noël. And they made it a commercial day. Et ils ont fait de cela un jour commercial. And until so the main thing is not to give Christ to people. La chose principale ce n'est pas de donner Christ aux gens. The main thing is that they want to sell more. La chose principale c'est parce qu'ils veulent vendre beaucoup. And they take Christmas. Et ils ont pris la Noël. As the birth of Christ. Comme la naissance de Christ. And behind it they make good businesses. Derrière cela, ils se font de l'argent. Do you know that the best time the human the business make money is in Christmas? Vous savez que Noël c'est le moment vraiment où ils se font beaucoup d'argent. Do you know that? So it's the time where the business is giving more money. C'est le moment où les affaires donne beaucoup d'argent. It's not about Jesus Christ. Ce n'est pas à propos de Jésus Christ. Jesus was only the meaning. The means. Est seulement, c'est un moyen. Un moyen. It was only the mean. C'était seulement un moyen. To get money. Pour avoir l'argent. So the Jesus they are giving us in Christmas is a fake Jesus. Le Jésus qu'ils nous donnent à Noël est un faux Jésus. And the Jesus, the resurrection they are giving us in the pass of in the Easter is a fake resurrection. Et la résurrection qu'il nous donne à la Pâque c'est aussi un faux. Because people had made themselves church members. Parce que les gens se font eux-mêmes les membres de l'église. And they gave them rabbits. Et il leur donne les lapins. And they gave them chocolate eggs. Et il leur donne les chocolats. Les œufs des chocolats. Les œufs chocolat comme des œufs. And they gave them the chicken. Et il leur donne des
cool. And they told them that this is Easter. Et ils leur disent que ça c'est la Pâque. Do you understand? And they believe it. Et ils croient cela. And they celebrate it as well. Et ils célèbrent cela. Why? Because God wasn't in their throne. Parce que Dieu n'était pas dans leur cœur. Amen. Dans les trônes. What is the connection between chocolate and Easter? Quelle est la connexion entre chocolat et Pâques? So if you tell me that okay, in Easter we kill the lamb, we eat. I understand. Si vous me dites que okay, à la Pâque nous tuons l'agneau et nous le mangeons, je vais comprendre. Do you understand? Because it was about the lamb. Parce que c'était à propos de l'agneau. But in the Passover in Egypt. Mais dans la Pâque en Égypte. There wasn't chocolate there. Il n'y avait pas de chocolat. There wasn't rabbit. Il n'y avait pas de lapin. Because you know, if you don't have Christ in your heart, vous savez, si vous n'avez pas Christ dans votre cœur, Satan will play a game with you. Satan va jouer. Il va se jouer de vous. Do you understand? Comprenez. Put Christ in your heart. Mettez Dieu Christ. So we don't understand it as theologians. Nous ne comprenons pas cela comme les théologiens. You see, even Catholic churches, vous voyez même l'église catholique, they celebrate Easter with eggs and chocolate. Ils célèbrent la Pâque avec les œufs et les chocolats. And they call it a church. Et ils appellent cela une église. But Abraham said, Frère Branham dit, the denomination is Satan himself. La dénomination c'est Satan lui-même. Do you understand? Vous comprenez? Because it's a Satan system in Parce the system of God. C'est le système de Satan dans le système de Dieu. Amen. Amen. So we call it system, Satan system. Nous appelons cela le système de Satan. The system Satan. Le système Satan. The name of that system is Satan. Le nom de ce système c'est Satan. The denomination. La dénomination. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Joyeuse Pâque. But they know nothing about Christ. Mais ils ne connaissent rien à propos de Christ. But they celebrate Easter more than us. Mais ils célèbrent Pâques plus que nous. Amen. Amen. But glory be to God. Mais gloire à Dieu. God sent us a prophet. Dieu nous a envoyé un prophète. To bring back the true Easter. Amen. Pour ramener la vraie Pâque. Amen. Amen. That true Easter which was in the land of Egypt. Cette vraie Pâque était dans le pays d'Égypte. And we need the same Easter today. Et nous voulons la même Pâque aujourd'hui. Not killing the lamb. Pas tuer l'agneau. Not applying the blood. Pas appliquer le sang. Not applying the chemical blood. Pas appliquer le sang matériel. Le sang chimique. Le sang chimique. But we need the flesh of the lamb of today. Mais nous voulons la chair de l'agneau aujourd'hui. We need the blood of God today. Nous voulons le sang de l'agneau. Amen. It's not about the chemical blood anymore. Ce n'est pas à propos du sang chimique. It's now about the life which was in the blood. C'est maintenant à propos de la vie qui était dans the Zoe life. La vie Zoe. God's life. La vie de Dieu. In the believers. Dans les croyants. Amen. Amen. But Abraham said, Frère Branham dit, we never seen Easter as wearing new clothes. Nous ne voyons pas, la Pâque comme porter de nouveaux habits. We never seen Easter as little rabbit and colored eggs. Nous ne voyons pas Pâque comme les lapins, les petits lapins et les œufs colorés. We see Easter in the power of resurrection of Jesus Christ. Nous voyons la Pâque comme la puissance de résurrection de notre Seigneur. The power of the resurrection of Jesus Christ. La puissance de la résurrection du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. That was the real Easter. Amen. C'est ça la vraie Pâque. So today I want to bring back the true Easter. Aujourd'hui je veux ramener la vraie Pâque. That's the reason why my title was the proof of the resurrected Jesus. C'est la raison pour laquelle mon titre était la preuve de la résurrection de Jésus Christ. So I'm not talking about Jesus before his death. Je ne parle pas de Jésus avant sa mort. Because the Passover will make sense when we're going to eat the resurrected lamb. Parce que la Pâque va prendre aura un sens. Aura un sens quand nous mangerons la vraie l'agneau tué. Amen. Amen. So the lamb must be killed.
L'agneau doit être tué. Must be eaten. Il doit être mangé. And Frère Branham said. Et Frère Branham dit. What you eat. Ce que vous mangez. Gives you life. Vous donne la vie. Amen. Amen. That was the real Easter. Ça c'était la vraie Pâque. Frère Branham said this. Frère Branham dit ceci. What you eat. Ce que vous mangez. Is what you become. Je sais que vous devenez. The lamb in Passover is supposed to be killed. L'agneau dans la Pâque devait être tué. And be eaten. Et mangé. But the man said that if you eat. Frère Branham dit, si vous mangez. The bread. Le pain. The wheat died. Le blé meurt. And the wheat gives you his life. Et le blé vous donne sa vie. And you live. Et vous vivez. The wheat dies. Le blé meurt. If you eat chicken, si vous mangez la poule, le poulet, the chick must die. La poule doit mourir. Do you understand? Vous comprenez? And you take the life of the chicken. Et vous prenez la vie de ce poulet. De cette poule. The chicken dies. Et la poule meurt. And you live. Et vous vivez. That's the way we live. C'est because if you stop eating, you die. Parce que si vous arrêtez de manger, vous mourrez. This one is in the physical realm. Ceci est dans le domaine physique. You understand? And in the spiritual realm, is the same as well. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Everything you eat is what gives you life. Tout ce que vous mangez, c'est ce qui vous donne la vie. For you to live, you don't know how many cows has been killed to give you life. Pour que vous vivez, vous ne savez pas combien de vaches sont mortes pour vous donner la vie. You understand? That the reason why you must also die, vous devez aussi mourir, to give life to others. Pour donner la vie aux autres. You need to die in your own thinking. Vous devez mourir dans vos propres raisonnements. Amen. Amen. And give life to others. Et donner la vie aux autres. You need to stop being a crook. Vous devez arrêter d'être des escrocs. To give life to others. Pour donner la vie aux autres. Because if you are not living what you are preaching, parce que si vous ne vivez pas ce que vous prêchez, no one will listen to you. Personne ne va écouter vous. You need to die in yourself. Vous devez mourir en vous-même. If you're still living, si vous êtes toujours en vie, you can't give life. Vous ne pouvez pas donner la vie. Let's say we have a goat outside. Disons que nous avons une chèvre derrière. And we keep the goat there. Et nous le gardons là. So the main thing is. La chose principale est. To kill the goat. Tuer la chèvre. To eat it. Et le manger. Amen. Amen. And we make a barbecue. Et nous allons faire le barbecue. And you are rejoicing. Et nous sommes contents. We are having barbecue. Nous faisons les barbecues. When you are getting ready to have a barbecue, quand nous apprêtons à avoir les barbecues, the life of the goat is going to the end. La vie de la chèvre va vers la fin. Because you are preparing to eat it. Parce que vous préparez à le manger. Do you understand? Vous comprenez? Because you want to get the life of the goat in parce you. Parce que vous voulez prendre la vie de la chèvre en vous. And the goat does not have a will. Et la chèvre n'a pas de volonté. And the goat will die. Et la chèvre va mourir. You're going to enjoy your barbecue. Et vous allez vous réjouir de votre barbecue. Et le kwanga. Avec la chikwanga. You killed something. Vous avez tué quelque chose. Do you understand? Vous comprenez? For you to live. Pour que vous vivez. You say, no, I don't eat meat. Vous dites, non, je ne mange pas la viande. But Abraham said, Frère Branham dit, even the vegetables, même les légumes, they must die to give you life. Ils doivent mourir pour vous donner la vie. There's no life without death. Il n'y a pas de vie sans la mort. Does it make sense? Because we are talking about the true Easter. Parce que nous parlons de Abraham said, we came from the dust. Nous venons de la poussière. How did we get here? Comment nous avons nous sommes arrivés ici by eating food. En mangeant la nourriture. Do you understand? Comprenez? Because you are dust, you must eat dust. Parce que vous êtes la poussière, vous devez manger la poussière. My goodness. Because even the goat is just dust. Même la chèvre, c'est aussi la poussière. The food you eat is the dust. La nourriture que vous mangez, c'est la poussière. To begin with, it's coming from the dust, isn't it? Pour commencer, il vient de la poussière. Ça pousse. Do you understand? And you eat it. Et
manger cela. Because we are dust. Parce que vous êtes And the things of God must go beyond the dust. Et les choses de Dieu doivent aller au-delà de la poussière. So we must eat something is more than the dust. Nous devons manger quelque chose qui est plus que la poussière. In Egypt, they ate the lamb which was the dust. En Égypte, ils ont mangé l'agneau qui était la poussière. That one was only the prefiguration of the true lamb of God. Cela était seulement la préfiguration du vrai agneau. When we're gonna eat now the true lamb of God, quand nous allons manger maintenant le vrai agneau de Dieu, it's gonna give us life which is more than the dust. Cela va nous donner la vie qui est plus que la poussière. Every time we eat the food, chaque fois que nous mangeons la nourriture, we renew our lives. Nous renouvelons nos vies. Amen. Amen. So, Sister Victoire, you see here, la sœur Victoire que vous voyez, is not the same came a couple of days ago. N'est plus la même qui est venue il y a quelques jours avant. If you've been here maybe a couple of months ago, isn't it? Elle est ici, ça fait plusieurs mois. Elle était venue ici. Elle était venue ici il y a plusieurs mois. Tu comprends? Yes. Comprenez. So what the one you see now is not the one came last time. Celle que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas celle qui est venue. That one is past already. Celle-là est déjà passée. Because if she haven't eaten since that time, she won't be here. Parce que si elle n'avait pas mangé depuis ce temps, elle ne serait pas ici. Tu comprends? Mm. So it's just connection of life every day. Et c'est seulement la connexion de la vie tous les jours. Every time you eat, chaque fois que vous mangez, it's a guarantee for you for a couple of days. C'est la garantie pour vous pour quelques jours. And you eat again. Et vous mangez encore. And you eat again. Vous mangez encore. You eat again. And you're living. Et vous vivez. That's the way we live. C'est la manière. But the eternal life. Mais la vie éternelle. It's not eating all the time. Ce n'est pas manger. Do you know why we have to eat all the time? Vous savez pourquoi nous devons manger tout? Because we are eating dead substance. Mm-hmm. Parce que nous mangeons des choses qui sont mortes. Non, les choses mortelles. Parce que nous mangeons des choses mortelles. Dans le sang. The dead substance. Les choses mortelles. So the goat, even you don't eat the goat will die one day. Même si vous ne mangez pas la chèvre va mourir. Because it's a dead substance. Parce que c'est une chose mortelle. The life he's going to give is going to be only a short life. La vie qu'il va donner va être seulement court. If you eat it today, si vous le mangez aujourd'hui, after one day, après un jour, you must eat something else. Vous devez encore manger. If you say, I've ate already, si vous dites, j'ai déjà mangé, I'm not going to eat today, je ne vais pas manger aujourd'hui, and you die. Vous allez mourir. Amen. Amen. I've got a niece in France. J'ai une nièce en France. Well, if as a, did you eat? Si vous la demandez, vous avez déjà mangé. She said, yeah, I ate. Elle va dire, oui, j'ai mangé. Oh, when? Quand? She said, yesterday. Elle va dire, oh. Yeah. Noémie. No, that one was for yesterday, so you didn't eat anything today. Là, c'était pour. But then, you understand? Tu n'as pas encore you mangé must aujourd'hui. Eat to live. Tu dois manger pour vivre. Because if you are not eating, you are not building your immune system. Parce que si vous ne mangez pas, vous ne construisez pas votre système immunitaire. You understand? Yeah. You are not building the cells of your blood. Vous ne construisez pas les cellules de votre sang. So you must eat to live. Vous devez manger pour vivre. So don't let anybody to tell you go and eat. You must understand that you must eat. Ne cherchez pas ce qu'on vous dit allez manger. Amen. Vous devez manger. When you the thing is that but I want to say that the thirst is a signal. Frère Branham dit la soif c'est un signal. So it's something is telling you that you must drink c'est quelque water. Chose qui vous dit que vous devez boire de l'eau. Because your body needs water. Parce que votre corps a besoin de l'eau. So when the body tells you to drink water, no the body doesn't mean to go and drink juice. Quand le corps vous dit de boire de l'eau, le corps ne vous dit pas allez boire le jus. No, you need water. Non, vous avez besoin de l'eau. Because the water is helping your body to live. Parce que l'eau aide votre corps à vivre. À vivre. And the water cleans your body as well. Et l'eau nettoie aussi votre corps. Do you understand, Bonnie? Vous comprenez? Water cleans your body. L'eau nettoie votre corps. So you need it. Vous avez besoin so it's a connection life we're having every day. C'est
une vie connectée. Connectée que nous avons tous les jours. You understand? You eat a little bit today. Vous mangez un peu aujourd'hui. So because you can't eat for 1 month. Vous ne pouvez pas manger pour un mois. I would like it if it's possible. J'aimerais cela si c'est possible. So you must eat every day. Vous devez manger tous les jours. 365 days. A year, you must eat. Every day, when you wake up in the morning, you think, what am I going to eat? Do you understand? Because if you don't eat, you die. So the main thing we are doing in this earth, just eating. Amen. We are working for our stomach. We are working for our stomach. Nous travaillons pour notre ventre. So we need to feed ourselves. Nous devons nous nourrir. Because this one is life. Parce que ceci est la vie. That the reason why you see. C'est la raison pour laquelle. During the lockdown. Durant les confinements. They said everything must close. Ils ont dit toute chose doit être fermée. Except. Sauf. Supermarkets. Supermarchés. Because of the food. Parce qu'il y a la nourriture. Because if COVID doesn't kill us, the famine will kill us. Parce que si le COVID ne nous tue pas, c'est la famine qui va nous tuer. Do you understand? So there's no way around living without eating. Il n'y a pas d'autre manière de vivre sans manger. This one is spiritual speaking. Cela est. Je parle de ça spiritual. I'm going very long. I'm going to make it short. It's 55 minutes already. My goodness. Okay. But the Bible said, and the inside of us is an immortal soul. Frère Branham dit, l'intérieur de nous est une âme immortelle. Do you understand? A spirit that gives us the intelligence that we have. Un esprit qui nous donne l'intelligence que nous avons. Do you understand? Comprenez. That tells we are educates. Educates us in what we are in our personalities. C'est ça qui nous éduque, c'est ça que nous sommes dans notre personnalité. We are that by the spirit that is in us. Nous sommes cela par, nous le sommes par l'esprit qui est en nous. And then, if this being is cet être, something has to die to take care of this so it can live. Quelque chose doit mourir pour prendre soin de cela. Pour que ça vive. How much more did something have to die to this inside could live again? Et combien plus quelque chose doit mourir pour cet intérieur pour que cet intérieur vive? Do you understand? So if the food we eat gives us life, si la nourriture que nous mangeons nous donne la vie, how much more we must eat the Lamb of God to have life in our soul. Combien plus forte raison nous devons manger l'agneau de Dieu pour avoir la vie. Because our souls are eternal. Parce que notre âme est éternelle. We must eat also the eternal food. Nous devons aussi manger la nourriture éternelle. Do you understand? And from here, à partir d'ici, we must separate. Which is temporal and which is eternal. Nous devons séparer ce qui est temporel et ce qui est éternel. Amen. So the rapture must not be given to the temporal man. L'enlèvement ne doit pas être donné à l'homme temporel. Because if you take this man here, parce que si vous prenez ce the man of flesh, l'homme de la chair, you take him to heaven. Au ciel. You must make sure that you bring the food that's going to make him living. Vous devez être sûr que vous allez amener la nourriture aussi qui va le faire vivre. Is it making sense? Amen. Is it making sense? C'est là. Est-ce que ça donne un sens? Ça donne un sens. Do you understand? So from there, you know, Barabanam teaching tells us. L'enseignement des frères Branham nous enseigne. It's telling us who is going to heaven and who is not going. Il nous montre qui part au ciel et qui ne le part pas. But Branham said,
Frère Branham dit, to, before to live, you must eat the dead substance. Avant de vivre, il faut manger les choses mortelles. To give you life. Pour qu'il te donne la vie. The life those things gives you. La vie que ces choses vous apportent. It's a temporal life. C'est une vie temporaire. But the soul. Mais l'âme. Must eat what is eternal. Doit manger ce qui est éternel. So you can bring this temporal body. Vous ne pouvez pas amener ce corps temporel. To the heaven. Au ciel. Because you need to bring food with you. Parce que vous devez aussi amener la nourriture avec vous. And the denomination. Et la dénomination. They took the temporal stuff to for Easter. Ils prennent les choses temporelles pour la Pâque. Even worse. Même pire. Pire. So it's going to tell you the chocolate for Easter. Ils vont vous dire chocolat. Les chocolat pour la Pâque. And the chocolate gives you sick. Makes you sick. Mm-hmm. Le chocolat vous rend malade. Amen. Amen. The sugar is not good for the body. Le sucre n'est pas bon pour le corps. That's not Easter. Ça c'est pas la Pâque. Don't understand. Vous comprenez? Chocolate egg is bad. L'œuf de chocolat est mauvais. Amen. Amen. Too much sugar in the body is bad. Amen. Beaucoup de sucre dans le corps c'est mauvais. So we understand that the Easter. Nous comprenons que la Pâque. It's not about this body. Ce n'est pas à propos de ce corps. So it's about the soul. C'est à propos de l'âme. In the same way that you eat to live. De la même manière que vous mangez pour vivre. In the same way something died to give you life. De la même manière quelque chose est mort pour vous donner la vie. And in the same way something must die to give life to your soul. Et de la même manière quelque chose doit mourir pour donner la vie à votre âme. That's Easter for us. C'est la Pâque pour nous. The resurrection of Jesus Christ, la résurrection de Jésus Christ brings life, the life of Christ in the believers. Amen. La vie de Christ est dans le croyant. Amen. But Abraham said, Abraham, it's the immortal soul that lives by the death of the Lord Jesus Christ. C'est la vie, c'est l'âme immortelle qui vit par la mort de Christ. And only by death. Et seulement par la mort. Do you understand? That's the reason why Jesus Christ had to die. C'est la raison pour laquelle Jésus Christ devait mourir. The blood of animals. Le sang de l'animal. Des animaux. Was only a substitute. Était seulement un substitut. Because there's no soul in the blood of the animals. Parce qu'il n'y a pas d'âme dans le sang de l'animal. To give life to the sinners. Pour donner la vie aux pécheurs. It must be the perfect lamb. Et devait être l'agneau parfait. An immortal lamb. Un agneau immortel. His life. Sa vie. To be given to those who had sinned. Devait être donné à ceux qui avaient péché. And he's going to make them also to be perfect like Him is perfect. Et il allait faire de parfait comme lui. That's the meaning of Easter for us. C'était, c'est ça le, la signification, la signification de la Pâque pour nous. Do you understand? Mm-hmm. Oh, praise be to God. For blood was the antidote. Parce que le sang était l'antidote. Do you know what antidote means? Vous savez c'est quoi l'antidote? When you've got poison in your body. Quand vous avez le poison dans votre corps. They'll tell you, oh, you've got poison. On va vous dire vous avez le poison. You need to drink the honey. Vous devez boire le miel. Because the honey is the antidote. Parce que le miel c'est l'antidote. What antidote does? Qu'est-ce que l'antidote fait? The antidote clean. L'antidote nettoie le corps. Oh, the antidote no, it doesn't clean even. The antidote makes non-effect the poison. L'antidote rend le poison sans effet. So the life of Christ in our life, et la vie de Christ dans notre vie, atone sin, expie le péché. So the atonement, l'expiation, is to wipe out, effacer le péché. Do you understand? Vous comprenez? That what tells us about justification. C'est là nous parle de la justification. That the reason why. After eating the lamb of Passover, c'est la raison pour laquelle après avoir mangé
l'agneau pascal. We can't be sinners anymore. Nous ne pouvons pas être des pécheurs. We can't talk about Easter. Nous ne pouvons pas parler de la Pâque. And talk about sin. Et parler du péché. No, it's not making sense. Ça n'a pas de sens. Because sin is death. Parce que le péché c'est we la mort. We can't die. Nous ne pouvons pas mourir. Because the lamb has died in our stead. Parce que l'agneau est mort à notre place. Amen. Amen. So the only thing we have to do. La seule chose que nous devons faire. We must take the lamb and eat it. Et nous devons prendre l'agneau et le manger. What is the lamb of God today? Qu'est-ce que l'agneau de Dieu aujourd'hui? The word of God. La parole de Dieu. If you don't eat it, si vous ne mangez pas, you're not eating the lamb. Ne mangez pas l'agneau. Amen. Amen. But Abraham said, God will never condemn you because you are a sinner. Dieu ne va pas vous condamner parce que vous êtes un pécheur. No. But God will condemn you. Mais Dieu va vous condamner. If you reject the sacrifice. Si vous rejetez le sacrifice. God has provided a lamb. Dieu a pourvu un agneau. And the lamb was killed. Et l'agneau a été tué. And the flesh of the lamb was given unto you. Et la chair de l'agneau vous a été donnée. Eat it. Mangez cela. Eat it and become it. Mangez cela et vous le devenez. Devenez-le. Devenez-le. If you eat the flesh of the Son of Man, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, you become the Son of Man yourself. Vous devenez le Fils de l'homme. Amen. Because you are what you're eating. Parce que vous êtes ce que vous mangez. Amen. Amen. So if you don't eat it, you don't become si it. Si vous ne le mangez pas, vous ne le devenez pas. If you don't eat, what's going to happen? Si vous ne mangez pas, qu'est-ce qui va arriver? You die. Vous allez mourir. How many of people died spiritually? Combien de gens sont morts spirituellement? Amen. Amen. So if you have much God in you, si vous avez beaucoup de Dieu en vous, you understand, you will see God everywhere. Vous allez voir Dieu partout. Having God, much God in you, avoir beaucoup de Dieu en vous, puts you in the safety zone. Vous met dans la zone de sécurité. As a young girl, comme étant jeune fille, when you have much God in you, si vous avez beaucoup de Dieu en vous, a man coming to you say, oh, I want to get married to you. Un homme vient à vous et dit, je vais vous épouser. Okay. Okay. You start watching the guy. Vous commencez à examiner le monsieur. Because you have much God in you. Parce que vous avez beaucoup de Dieu. If the guy has got God. Si l'homme a Dieu. You understand? You know it. Vous le saurez. Do you understand? Because you have God in you. Parce que vous avez Dieu en vous. If the guy doesn't have God. Si le monsieur n'a pas Dieu. You know it as well. Vous allez le savoir aussi. Or if you are not sure. Si vous n'êtes pas sûr. Take him to me. Amenez-le. I'll tell you if God is inside or not. Je vais vous dire. That's the reason why you must trust me. C'est la raison pour laquelle vous devez me croire. You want to get married? Bring your wife, that guy to me first. Amenez le monsieur chez moi. Let me talk to him. Laissez-moi parler avec lui. What I'm going to tell you, do it. Ce que je vais vous dire, faites-le. If I tell you, leave that guy. Si je vous dis, laissez ce monsieur. Leave him. Laissez-le. Do you understand? Comprenez. Straight away, leave that guy. But Sister Becky. Sœur Becky. Brother Branham's daughter. La fille de Frère Branham. When she wanted to get married. Quand elle voulait se marier. She brought Brother Joseph Smith to Brother Branham. Il a amené le frère Joseph Smith à Frère Branham. Brother Branham watched the Brother Joseph Smith. Et Frère Branham a regardé le frère Joseph Smith. Brother Branham said. Frère Branham a dit. Go and get the Holy Ghost. Allez chercher le Saint-Esprit. But Abraham discerned that the brother didn't have the Holy Ghost in that time. But he was attending church. Amen. Amen. He was a church member. Il était un membre de l'église. Without the Holy Ghost. Sans le Saint-Esprit. Abraham said, go and get the Holy Ghost. Dit, allez chercher le Saint-Esprit. And he went. Et il est allé. He came back to Brother Branham again. Said, Brother Branham, I've got the Holy Ghost, I want to get married. Il a dit, Frère Branham, j'ai le Saint-Esprit, je vais me marier. Brother Branham said, okay, go ahead. Dit, because we are investing the word of God in our children. Parce que nous investissons la parole de Dieu dans nos enfants. I don't want my child to go and to suffer. Je ne veux pas que mon enfant aille souffrir. No. No. We don't want our brothers to go outside to get married to bad women. Nous ne voulons pas que nos frères
à l'extérieur pour se marier à des mauvaises femmes. No, non. Because they will suffer. Parce qu'ils vont souffrir. So, brother, if you want to get a wife, c'est frère, si vous voulez avoir une femme, bring that wife to me. Amenez cette femme chez moi. Let me check that woman. Laissez-moi tester cette femme. Trust me. Croyez-moi. If what I'm going to tell you is going to be the truth. Ce que je vais vous dire, ça sera la vérité. Because the only thing I need is your your goodness. La seule chose que je désire, c'est votre bien. Bien. I want you to have to be happy in your life. Je veux que vous soyez heureux dans votre vie. So we saw many good brothers. Nous avons vu beaucoup de frères. Bon, they came in the message. Ils sont venus dans les messages. And they saw some girls. Ils ont vu quelques filles. With red nails. Avec les ongles vernis. With how do you call it? Makeup. Avec des makeup. And they think that the beauty. Et ils pensent qu'ils sont jolis. And when they take the woman in the house. Et quand ils vont se marier avec les femmes. Jezabel. Jezabel. Do you understand? Vous comprenez? Every day. Tous les jours. Pastor, come and help me. Pasteur, viens m'aider. Ah, that woman doesn't listen. Ah, cette femme n'écoute pas. Praise be to God because it never happened to Brother Dennis. You are lucky guy. This man here is lucky. Chanceux. He was about to suicide himself, this guy here. By getting a bad woman. The woman he wanted to marry before. I must say it. So praise be to God, he got this woman here. Since they've been married, everything is right. Is it true? Yes. All your hiding things. Praise God. No, you can hide as long as you can treat them by yourself. That's good. Because my job here is not to go and talk about things of people's marriage. I can help. Yes, it's my job. Mm-hmm. But you've got Christ. I'm telling you, if you put Christ in the center of your family, you don't need a pastor to come in your home. No, you just keep Christ in the center. That's it. Just eat the lamb. Every day eat the Easter lamb. Tous les jours manger l'agneau pascal. And you be in peace. Et vous serez en paix. You call the pastor. Vous allez appeler le pasteur. Just say hi pastor, how God bless you. Bonjour pasteur. I want just to greet you. Je voulais seulement vous. Yeah, that's what I'm expecting. C'est ce que moi je m'attends. Amen. Amen. So because if Barabanam can't help you, I can't do anything for you. Si frère Branham ne peut pas vous aider, je ne peux rien faire. You understand? Vous comprenez? If the Bible can help you, what I'm gonna do? Si la Bible ne peut pas vous aider, qu'est-ce que je vais faire? Because if I come to you, parce que si je viens vers vous, I'll bring the message. Je vais amener le message. The message is what you have already. Le message c'est ce que vous avez déjà. You don't have to wait for me to read it for you. Vous n'avez pas à m'attendre. What are you doing, guys? What are you doing? What is that? Mais je vous lis. What? Huh? Give it to me. You don't have to wait for me. Vous n'avez pas à m'attendre. Because you have the message. Parce que vous avez le message. Amen. Amen. Just apply the message in your life. Appliquez seulement le message dans votre vie. Woman, live for your wife. Woman, live for your man. Femme, vivez pour votre mari. And man, live for your wife. Don't live for yourself. Ne vivez pas pour vous-même. You need to die. Vous devez mourir to give life to her. Pour lui donner la vie. You need to die. Vous devez mourir to live for him. Pour vivre pour lui. So we need to see the life of the woman in the man. Nous voulons voir la vie de la femme dans l'homme. I don't mean to wear the robe. Ne dis pas de mettre les robes. Amen. Amen. But live for her. Vivre pour elle. Amen. Amen. Sister, live for him. Sœur, vivez pour lui. If you have such woman. Si vous avez une telle femme. If you have such man. Si vous avez un tel homme. It's the millennium. C'est le millennium.
Amen. You feel happy all the time. Vous serez heureux tout le temps. We don't believe in polygamy. Nous ne croyons pas à la polygamie. It's dirty stuff. C'est des choses sales. A true child of God will never do such thing. Un vrai enfant de Dieu ne ferait jamais une chose pareille. I will never do such thing to my wife. Je ne ferai jamais une chose pareille à ma femme. She's a lovely woman. C'est une femme merveilleuse. She's always good to me. Elle est toujours bien avec She moi. She serves me. Elle me sert. Why do I need a second wife for? Pourquoi je vais chercher une deuxième femme? Nonsense. Ça n'a pas de sens. Amen. Amen. One wife, one man. Amen. Une femme, un homme. One Adam, one Eve. Un Adam, une Eve. Amen. Amen. Because we are back to the beginning. Parce Amen. Que nous rentrons au commencement. I'm happy with one woman. Je suis heureux avec une seule femme. No, I don't want to put myself in trouble with je so many. Pas just dirty. I feel like vomiting when I talk about this. Let me just pass it. Je sens l'envie de vomir quand je parle de ça. My goodness. But Abraham said, if we eat beef, si nous mangeons la vache, beef, steak, la viande de bœuf, or steak, the cow died. La vache mort. La vache est morte. If we eat sheep, si nous mangeons la brebis, why? Pourquoi? The sheep died. La brebis meurt. If we eat fish, si nous mangeons les poissons, the fish died. Le fish meurt. If we are eating, if we eat bread, si nous mangeons le pain, the wheat died. Le blé meurt. Le blé est mort. Le blé est mort. Le blé est mort. Or if we eat potatoes, si nous mangeons la pomme de terre, it died. Ça meurt. It's alive. C'est la vie. We live by dead substance. Nous vivons par les choses mortelles. Something has to die so we can live physically. Quelque chose doit mourir pour que nous vivons physiquement. You take this physical body to the heaven. Vous prenez ce corps physique au ciel. You must make sure that you bring food with you. Vous devez être sûr que vous amenez la nourriture avec vous. Amen. Amen. But if you bring the soul to heaven. Mais si vous amenez l'âme au ciel. Make sure that you bring the word. Amen. Soyez sûr que vous amenez la parole. I'm going to tell you. Je vais vous dire. In heaven there's no food. Amen. Au ciel n'a pas de nourriture. But Abraham said, I don't believe that we have a cooker in heaven. Je ne crois pas que là-bas il y aurait les cuisiniers. Cuisinières. Amen. Amen. There's no cooker. Il n'y a pas de cuisinière. There's no food to cook. Il n'y a pas de nourriture pour préparer. When the Bible says that we go to the 3.5 years feast. Quand la Bible dit que nous allons la fête de 3 ans et demi. No, it's a spiritual feast. C'est une fête spirituelle. Doesn't have anything to do with this body. Ça n'a rien à voir avec ce corps. Because this body lives with dead substance. Parce que ce corps vit avec les choses mortelles. Les substances mortelles. Mortelles. Amen. Amen. So the Easter la Pâque is for us the way to eat the Lamb of God. C'est pour nous la manière de manger l'agneau de Dieu. The perfect Lamb of God. L'agneau parfait de Dieu. Now Jesus was both. Jésus était. I'm not going to finish. Oh my goodness. Now I start. Amen. I'll just start now. Because this one seulement maintenant. Parce que ceci is what I wanted to talk about. C'est ce dont je voulais parler. Okay, let me talk about it maybe 20 minutes and then next time I'll come back to it again. Laissez-moi I don't have choice. De cela pendant 20 minutes après la prochaine fois je vais. Jesus was both. Jésus était les deux. Amen. He was physical and spiritual. Il était physique et spirituel. So when we are talking about Jesus Christ, which is resurrected. Quand nous parlons de Jésus Christ qui est ressuscité. Which one we are talking about? De quel parlons-nous? De quel parlons-nous? Do you understand? So we are not talking about the physical Jesus. Nous ne parlons pas de Jésus physique. Because that one was Jesus yesterday. Parce que il était le Jésus d'hier. We are talking about the present tense Jesus. Nous parlons de Jésus présent.
dans les temps présents. Amen. Amen. Jesus the I am. Le Jésus de je suis. Amen. Amen. The one remain today the same. Celui qui est le même aujourd'hui. Is the one is our Lamb of Easter. C'est celui qui est notre agneau pascal. Amen. But the Bible said, in the message said, we will see Jesus. Dans les messages, nous allons voir Jésus. He said, look. Regardez. He was here on earth. Il était sur la terre. How many knows that was the pillar of fire that followed the children of Israel in the wilderness? Combien savent qu'il était la colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert? He said that was Christ. Ça c'était Christ. Amen. The angel of the covenant. L'ange de l'alliance. De l'alliance. All right. He said, and how many knows that was Jesus in Jesus? Combien savaient? Combien savent? Savent que c'était Jésus en Jésus. Amen. 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 There was Jesus in Jesus. Jésus était en Jésus. There was Jesus. Il y avait Jésus en Jésus. So when we are talking about Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Quand nous parlons de Jésus. Est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Which one we are talking about? Lequel nous parlons? The outside one or the inside one? L'extérieur ou l'intérieur? Do you understand? So we must make the point here. Nous devons faire le point ici. Point. We have to make the point here. Nous devons faire le point. To understand which one we are talking about. Pour comprendre. Otherwise, our Easter will never make sense. Autrement, notre Pâque n'aura pas de sens. Do you understand? That the reason why we want to cut it in pieces. C'est pour cela nous devons couper cela en morceaux. And to understand which one we are eating today. Et comprendre lesquels nous mangeons aujourd'hui. Because he is the I am. Parce qu'il est le je suis. We understand that Jesus, the body, is no longer here. Nous comprenons que Jésus, le corps, n'est plus ici. And we understand that Jesus, in terms of Abraham, wasn't there. Et nous comprenons que Jésus, au temps d'Abraham, n'est plus là. N'était pas là. N'était pas là. But in terms of Moses, I mean. Le temps de Moïse n'était plus là. Donnasan n'était pas là. In that time. But Jesus came after that. Mais Jésus est venu après. But voilà. Jesus was there. Jésus était là. Do you understand that? Comprenez? Jesus wasn't there. Jésus n'était pas là. But Jesus was there. Mais il était là. You understand what I mean? Vous comprenez ce Because there was Jesus in Jesus. Parce que il y avait Jésus en Jésus. So we are not talking about the temple which was called Jesus. Nous ne parlons pas du temple qui était appelé Jésus. But we are talking about Jesus Christ. Nous parlons de Jésus Christ. The one was inside of that temple. Celui qui était à l'intérieur de ce temple. That one was in the Garden of Eden. Celui-là était dans le jardin d'Éden. And is still the same until today. Il est le même jusqu'à aujourd'hui. But Abraham said, if you read the Bible, si vous lisez la Bible, and you don't see Jesus in every verse of the Bible, vous ne voyez pas Jésus dans tous les versets de la Bible. He said, go and read it again. Il a dit, allez-y relire encore. Amen. Amen. You never see Jesus of Nazareth in every Bible verses. Vous ne verrez pas Jésus-Christ dans tous les versets de la Bible. But you see the Lord Jesus Christ in every part of the Bible. Mais vous verrez le Seigneur Jésus-Christ dans toutes les parties de la Bible. Even when I'm here, I'm talking, I am the Lord Jesus Christ. Même quand je suis ici, je parle, je suis le Seigneur Jésus-Christ. You are sitting there, you are the Lord Jesus Christ. Vous asseyez là, vous êtes le Seigneur Jésus-Christ. Jesus Christ the same, yesterday, today, and forever. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, éternellement. You can, you also can be a Easter lamb for others. Vous aussi, vous pouvez être un agneau pascal pour les autres. Because people can feed themselves from you. Parce que les gens peuvent se nourrir sur vous. Amen. Amen. From you, people can feed themselves the Lamb of God. Au travers de vous, les gens peuvent se nourrir
l'agneau de Dieu. And they, to get eternal life from you. Et avoir la vie éternelle. God gave you the responsibility. Dieu vous a donné la responsabilité. To feed others also. De nourrir les autres aussi. But Abraham said, you don't have to go in the pulpit and preach. Tu n'as pas à aller sur, dans la chair et prêcher. But your life can be a lie, the sermon for votre others. Votre vie peut être une prédication pour les autres. But Abraham said, Frère Branham dit, he said, leave me one sermon instead of preaching me two of them. Frère Branham dit, vivez-moi un sermon, une prédication au lieu de m'en prêcher deux. You understand? But Abraham said, you must be salty. Frère Branham dit, vous devez être salé. You must be salty. Vous devez être salé. Until people around you they feel blessed. Jusqu'à ce que les gens autour de vous soient bénis. You know, one day I'm going to preach about the demonology. Un jour, je vais prêcher sur la démonologie. But Abraham said that a demon is a tormentor. Frère Branham dit, un démon, c'est un tourmenteur. And if you see a brother is always tormenting people. Et si vous voyez un frère qui est qui ne fait que tourmenter les gens. It's a demon. C'est un démon. You understand? Vous comprenez? But the meaning of demon. Le sens de démon. Is a tormentor. C'est un tourmenteur. If a brother is there, always tormenting brothers. Si un frère, il tourmente toujours les frères. It's a demon. C'est un démon. You can call him a brother. Vous pouvez l'appeler un frère. But what he's doing. Mais ce qu'il is fait. Saying, is telling that he's a demon. Cela dit que c'est. But Abraham said. Frère Branham, your life. Ta vie. Shout more than your voice. Crie plus que ta voix. Your thought inside of your head. Des pensées à l'intérieur de ta tête. Cries more, shout more than your voice. Crie plus que ta voix. Do you understand? So there's no point to be hypocrite. Il n'y a pas de point de. Tu n'as pas à être hypocrite. Tu n'as pas à être hypocrite. You must be true. Vous devez être vrai. You must be true. Vous devez être vrai. Be salty. Soyez salé. Until a brother beside you feel blessed. Jusqu'à ce qu'un frère à côté de vous soit béni. I love this brother. J'aime ce because every time when she he is with me, I'm parce blessed. Chaque fois qu'il est avec moi, je suis béni. Not say ah this brother is always. Mais pas que yes, always frère, problem. Il a toujours des problèmes. So when you come say ah he's coming again. Il vient encore. Always bring problem to the people. Il amène toujours les gens. Les because that brother or that sister never eat the lamb of God. Parce que ses frères ou cette sœur ne mangent pas l'agneau pascal. A tormentor. C'est un tourmenteur. The best thing to do. La meilleure chose à faire. Is to sit down. C'est de vous asseoir. Say, brother. Le dire, frère, the way I live with you. La manière que je vis avec. You are not a blessing to me. Tu n'es pas une bénédiction. You go that way. Allez ce chemin. I'll go this way. J'irai aussi l'autre chemin. But you're still my brother. Mais vous êtes toujours. Because it's a tormentor. Parce que c'est un tourmenteur. Do you understand? You must be a blessing for brothers and sisters. Vous devez être une bénédiction pour les frères. Let people say that this brother here is a good brother. Laissez les gens dire que oh ce frère c'est un bon frère. Let people say that this sister here is a good sister. Laissez les gens dire oh cette sœur c'est une bonne. Then we understand that you've ate the lamb of. Et nous allons comprendre que vous avez mangé l'agneau pascal. Because you can't eat the lamb of Easter and remain the same. Parce que vous ne pouvez pas manger l'agneau pascal et demeurer le même. Amen. Amen. If you eat the food, si vous mangez la nourriture, you become it. Vous devenez cela. You eat the word, vous mangez la parole, you become the word, vous devenez la parole, and you manifest the word. Et vous manifestez la parole. Amen. 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 If you eat, you drink si alcohol. Vous buvez l'alcool, even your body will smell alcoholism. Même votre corps va sentir l'alcool. If you eat, how do you call it, garlic. Si vous mangez l'ail, when you get in the house, quand vous entrez dans la maison, the house will smell. La maison va sentir. Do you understand? Why? Pourquoi? Because you eat it. Parce que vous l'avez mangé. And you know the garlic. If you keep the garlic in the house, it doesn't smell. Si vous gardez l'ail dans la maison, ça ne sent pas. But when the garlic becomes a human being, quand l'ail devient un être humain, it starts smelling now. Et cela commence à sentir. If you keep the evil, if the evil doesn't take the body, si le mal ne prend pas le corps, there's no problem. Il y a pas de problème. But once the evil takes the body mais of someone, le mal prend le corps de quelqu'un, start smelling now.
Cela semble. And that brother or sister become a tormentor. Et ce frère ou cette sœur devient tourmenteur. A cancer. Un cancer. You need to cut it. Nous devons couper ses mains. Amen. Amen. So we need peace among us. Nous voulons la paix. Because we are living in the capstone. Parce que nous vivons dans la pierre de fête. And in the capstone there's shalom. Et dans la pierre de fête c'est shalom. We are in peace. Nous avons la paix. If you see a brother or a sister is not bringing the peace to you. Si vous voyez un frère ou une sœur qui nous amène pas la paix. Get him out of the kingdom. Chassez-le. Du royaume. Du royaume. Because in the kingdom of God, parce que dans le royaume de Dieu, there's peace. Il y a la paix. Brothers help brothers. Les frères aident les frères. Sisters help sisters. Les sœurs aident les sœurs. We help each other. Nous aidons. Because we are living as one body. Parce que nous vivons comme un seul corps. Amen. Amen. Ah, my goodness. But Abraham said, Frère, I'll stop here. Look, when they questioned him, regardez quand on l'a questionné. Saint John chapter 6. Jean chapitre 6. Calling your attention to it, they said, you said you are greater than Abraham. Vous dites que vous êtes grand, plus grand qu'Abraham. And said that why you are only 50 years old yet. Alors que vous n'avez que 50 ans. Vous n'avez même pas encore 50 ans. Vous n'avez même pas encore 50 ans. So they were thinking that when Jesus said, your father Abraham met me in my day. Il pensait que quand Jésus avait dit que votre père Abraham m'a rencontré dans mon jour, they thought that it was the body. Ils croyaient que c'était le corps. No. No. It was about the inside. C'était à propos de l'intérieur. The pillar of fire was talking to them. La colonne de feu leur parlait. Let me take maybe to cut the last one then. Finish them. He said, before Abraham was, I am. Il a dit avant qu'Abraham fût, je fus. I am was in the burning bush. Je suis était dans le buisson ardent. You understand? Amen. Is that right? C'est vrai. A pillar of fire. La colonne de feu. When he was here on earth, he said, I came from God and I go to God. Quand il était dans, sur la terre. Il a dit, je viens de Dieu et je rentre vers Dieu. I came from God and I'm going back to God. Je viens de Dieu. What does that mean? Et je rentre vers Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Did he say it? Est-ce qu'il a dit? Yes, sir. Oui, monsieur. And then, et alors, if he came from the pillar of fire, s'il est venu de la colonne de feu, he returned back to it again. Il retourne à cela encore. Amen. Amen. Is it making sense? Amen. Amen. So, who is Jesus then? Qui est Jésus alors? The pillar of fire. La colonne de feu. Amen. So, how people can look for Jesus? Oh my goodness. When Jesus is above the head of the banner. Les gens peuvent chercher Jésus alors que Jésus est sur la tête de frère. Laodicean. Blind. Aveugle, naked, nu, but you don't know it. Et vous ne savez pas. Amen. Amen. Jesus is standing before you. Jésus se tient devant vous. And you can't see him. Et vous ne pouvez pas. It's the same in that time. Il est le même. Jesus was standing before them. Jésus se tenait devant. He took the book. Il a pris le livre. He said, "The Spirit of God is upon me." Amen. L'Esprit de Dieu est sur moi. God has sent me. Dieu m'a envoyé. To set free. Pour libérer. Those one was captive. Ceux qui étaient captifs. He closed the book. Il a fermé le livre. Looked at him. Il les a regardés. He said, "What do you mean?" Dit, qu'est-ce que but it was the same Jehovah before them. C'était le même Jéhovah devant eux. And today, et aujourd'hui, we have the same pillar of fire. Nous avons la même colonne de feu. In front of people, devant les gens, they still looking for Jesus. Mais ils cherchent Jésus. But Abraham said, Frère Abraham dit, in the message called the infallible proof of the resurrection. Dans le message appelé la preuve infaillible de sa résurrection. Jesus, he was here on earth. Jésus était sur la terre. We all know that that pillar of fire was Christ. Nous connaissons tous que nous savons tous, nous savons tous que cette colonne de feu était Christ. Amen. 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 The angel of the covenant. L'ange de l'alliance. Amen. And after he said,
Et après, il a dit, I came from the from God. Je viens de Dieu. I go and I go to God. Et je rentre vers Dieu. And when Paul met him on the road to Damascus. Et quand Paul l'a rencontré sur la route de Damas. Amen. Amen. Who was him? He was still that pillar of fire. Il était cette colonne de feu. That light. Cette listen. And he's still the same today. Il est le même aujourd'hui. Don't understand? Amen. And he's still the same today. Il est le même aujourd'hui. Don't understand? Vous comprenez? The same Christ. Le même Christ. With Paul. Avec Paul. The same Christ with le même Brother Branham. Avec Frère Branham. The same Christ was le taken in the picture. In Brother Branham's head. Dans la photo. So when you see that picture, it's not Brother Branham's picture. Quand vous voyez cette photo, ce n'est pas la photo de Frère. It's the picture of Jesus Christ. C'est la photo de. The picture of Hoffman is only a drawing. La photo de Hoffman c'est seulement une peinture. But the picture of Jesus is that one. Mais la photo de Jésus Christ. That's Jesus. C'est Jésus. Is what we're gonna talk about the Easter. C'est qu'on va parler. Easter is Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. La Pâque, Seigneur Jésus Christ, le même. So if we talk about Easter in the past, it's not going to help us. Si nous parlons de la Pâque dans le passé, c'est la. We need to talk about the Easter in present tense. Nous devons parler de la Pâque au temps présent. And to get the benefit of it. Et avoir les bénéfices. I've got a problem. J'ai un problème. I can't finish one sermon in one day. I like explaining a lot because I want people to understand. Do you understand? If you understand me, my aim is to put Christ in the soul of people. Si vous me comprenez, mon but c'est mettre Christ dans les âmes. I want people to have that relationship with Him. Et cette relation avec Christ. Even my battery is low, but même mon batterie. It was so long. God bless you. I'll stop here. God bless you. So next time I'll carry on with this one to separate Christ and continuer. Christ. Amen. Jesus Christ and Jesus Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen. Let us sing. Which song is there? Marching to Zion, Lily of the Vine. Marching to Zion. Amen. Go to transpose two. I feel like my voices. Transpose two. Thank you.
thank you for bringing us back in our position, Lord, for the death of the Lamb, Lord. Glory be to your wonderful name, Lord. We are so thankful to you, Jesus. Praise be to your wonderful name. Glory be to you, Jesus. Thank you, Jesus. Souls, Lord Jesus. We commit the rest of the day in your hands. Bless everyone who's online.